Alors, Tristan, comment on fait pour être au top, pour avoir un corps de rêve magnifique, sculpté, mince, dans un maillot sur les plages en été? Vous m'écoutez. D'accord, oh, bah, on rime, on fait des rimes, on est trop fort. Vous m'écoutez, je suis un peu votre gourou aujourd'hui, le gourou de perte de poids. Oui. Vous l'avez dit, l'été approche, hein, vous allez vouloir toutes vous mettre en bikini sur la plage. Mais trop souvent, qui dit bikini dit quoi? Pareo ou serviette pour cacher tout ça. C'est fort même dommage. Même t-shirt. Alors, perdre 6 kilos en un mois juste avant l'été, c'est possible. On regarde quelques images et on en parle juste après. Eh bien, dis donc! Cette charmante jeune femme s'appelle Elodie, elle est marseillaise. Alors, elle a voulu perdre plutôt 3-4 kilos, quoi. Donc, elle est vraiment dans cette cible, mais on peut atteindre les 6 kilos avec ce programme. Déjà, elle s'énerve pas mal. Alors, 6 kilos, on fait quoi? On fait encore plus. Oui, d'accord, ok. Alors, le programme, déjà, avant de rentrer dans le programme, je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'elle voulait perdre ses kilos. La réponse, regardez. Pour moi, l'objectif premier, c'était enfin de me sentir bien sur la plage, pas de complexer, de pouvoir porter mon maillot librement et puis de pas avoir à se trimballer au final toujours en débardeur et en paréo. Voilà, le problème du paréo qui revient. Alors, trois phases pour perdre ces 6 kilos. Une phase alimentaire, bien sûr, bien se nourrir. Plus de chocolat. Non, ça c'est sûr. De toute façon, en été, on mange pas de chocolat. Si. Sauf des glaces. Oui. Si, si. Hein, Laurent, c'est pas vrai si. Bah oui, et comment vous faites après? Vous faites beaucoup de sport toutes les deux, non? Mais pas du tout. C'est un métabolisme. Ouais. Comment vous expliquer? Comment vous dire? Voilà. Désolé, hein. On n'est pas tous égaux, c'est ça? Et voilà, c'est ça. Okay. Donc, alimentation, on fait attention. L'esthétique va être très important également dans cette cure, dans ce programme. Et puis, l'activité physique. On démarre avec l'activité nutrition. Ce qu'il faut faire et ne pas faire, la réponse avec le coach. Avoir suffisamment de protéines au niveau de son alimentation. Poulet, viande, poisson, œufs. Limiter au maximum tout ce qui va être sucre. Tout ce qui va être graisse, pensez à boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Associez également des compléments alimentaires, associez également un draineur qui va permettre de désinfiltrer au maximum, d'éliminer, de détoxifier. On peut également compléter avec des gélules brûleurs de calories qui vont limiter le grignotage, continuer à aider à éliminer et capter les graisses. Ok, voilà. Captons les graisses. Capter les graisses. Hein. Uh-huh. Avant de partir en Grèce, justement. Ouhou. Bref, l'esthétique, deuxième partie du programme. Alors, ça consiste en quoi? C'est l'UM6, vous connaissez, vous les filles, hein, et LPG. C'est des machines, ça, hein. Exactement, c'est deux machines, en fait. L'idée, c'est de revitaliser la peau et de faire perdre du volume, en fait. Ah ouais? Par donc, on un dégonfle. Système de palpé roulé, voilà. On va vous dégonfler un petit peu. C'est extraordinaire. Notamment la tête. on regarde les explications notre coach, regardez. La mise en place donc d'une cure en deuxième solution dans le protocole d'Elodie. Donc là, on s'est beaucoup plus penché sur le CELUM6, le LPG. Une technique de palpé roulé qui va venir désinfiltrer, traiter tout ce qui est graisse profonde et cellulite sur tout le corps. C'est un système invasif et indolore. Également traiter tout ce qui va être drainage. Dès la première séance, il se passe quelque chose. Entre la quatrième et la sixième séance, on voit vraiment un résultat. Pas vraiment au niveau du poids, beaucoup plus au niveau de l'aspect de peau et au niveau volume. Bon, pour l'instant, ça vous paraît assez facile, hein, les filles? Bah, si c'est juste allonger et se faire palper rouler... Non, mais en gros, on fait attention à son alimentation et on se fait un petit peu chouchouter. Oui, hein, jusque là, ça va. C'est parfait. Okay. Tout bien. Dernière phase, c'est peut-être la plus dure. Activité physique. Regardez à quoi ça ressemble avec les explications. Attention. Il faut associer la dernière solution, c'est l'activité physique, coachée. D'accord, de l'ordre de au moins deux séances là pour Elodie par semaine, où dans un premier temps on va s'occuper de tout le travail cardiovasculaire et cardio-respiratoire, essayer de la faire sortir de sa zone de confort, de dépasser un petit peu ses limites, ce qui est plus difficile seul ou en cours collectif, toujours renforcé avec un travail beaucoup plus localisé de renforcement musculaire. Mais voilà. Pêche Elodie, il faut dire, hein. On va regarder, de toute façon, en fin de chronique, le récap de tout ça. Mais moi, je lui ai demandé, en fait, juste en conclusion, s'il fallait vraiment souffrir pour être belle. Alors, oui, bien évidemment. Oui ou non? Oui, c'est le cas. Oui, je pense que là, c'est bien adapté. Pourquoi?
parce qu'on n'a rien sans rien et que effectivement si on veut se sentir bien dans son corps, je pense qu'il faut, il faut donner de soi. Je pense qu'il faut, avec les beaux jours qui arrivent, arriver à se motiver pour néanmoins venir à la salle et voilà, prendre du temps pour soi. Et le plus difficile, c'est de se surdépasser au final. Donc tout ce qui est cardio, etc., c'est aller au-delà de soi et puis voilà, c'est franchir un petit peu les limites un peu plus à chaque fois. Facile. Moi, je respecte Elodie. Ouais. Franchement, total respect. Parce que la voir s'activer comme ça sur les machines et tout, elle est motivée. Hein, vous en pensez quoi, les filles? C'est vrai. C'est pas évident. Même Lionel, il dit oui. Vous en pensez quoi, les filles? Ouais, c'est clair. Elodie, franchement, moi, bravo. On retournera la voir, Elodie, justement, dans quelques semaines. Ah, pour voir si elle a perdu ses fameux 3 kilos? Exactement. Bon, mais je pense qu'à ce rythme, elle va y arriver. On ira traîner un peu avec la caméra sur la plage. Ouais, d'accord. On récapitule vite fait. Regardez donc le programme pour perdre jusqu'à 6 kilos en un mois. Un programme donc nutritionnel en premier avec un draineur. Il faut boire une bouteille d'un litre et demi d'eau par jour. Des gélules minceurs également jusqu'à 6 par jour. Programme esthétique, 2 séances de LPG par semaine qui peuvent être complétées avec de power plate. Et une crème minceur à appliquer tous les soirs anti-cellulite également. D'accord. Et puis au niveau du sport, donc 2 séances de cardio training de 45 minutes à peu près qui peuvent être compensées par des sports collectifs comme body combat, RPM, c'est du vélo très rapide, ou du body attack. Oui. Et une séance coachée également, c'est important d'avoir son coach avec soi pour canaliser tout ça, pour ne pas partir dans tous les sens. Merci. Et ça coûte pas très cher parce que c'est parce que Sabrina disait c'est un investissement, elle a pas tort, parce que les crèmes et tout ça, les gélules. À partir de 70 euros par mois, on peut y arriver. Combien ? À partir de 70 euros par mois. D'accord. Après, ça peut aller un peu plus loin, mais, ouais. Mais déjà avec une base de 70 euros, vous pouvez faire quelque chose. Ok, bon, bah, c'est dit. Hein. Si vous voulez avoir un body, perfect body, on the beach. C'est voilà. Dit. Merci beaucoup, Tristan.